Par-delà la réparation, puisque la Vendée va recevoir un peu plus de 2 millions d'euros, notamment pour le préjudice écologique, c'est que précisément, il y a une jurisprudence pour l'avenir qui consiste à dire à tous les pollueurs potentiels, c'est-à-dire les transporteurs de cargaison qui sont en haute mer à raison de 1 par quart d'heure sur le rail du récent, attention, désormais, non seulement vous êtes solidaires au regard de la justice, mais vous devrez réparer le préjudice écologique. Donc si vous salissez les côtes, si vous détruisez la faune et la flore, vous ne pourrez plus le faire dans l'impunité. Et c'est ce qui me paraît le plus important dans ce jugement, c'est cette jurisprudence pour l'avenir. Il y a la sanction, mais il y a aussi la prévention.